Je pense qu'il y a une double réponse. D'abord à la nature des injures et des messages racistes, et ça c'est absolument inadmissible. Et la communauté universitaire ne peut pas être silencieuse, quel que soit l'endroit où ça se passe. Et puis la deuxième raison d'indignation, c'est que c'est sur les murs de l'université, et singulièrement d'ailleurs sur les murs d'une bibliothèque. C'est-à-dire un endroit où c'est encore plus inadmissible, parce que l'université défend des valeurs d'humanisme, des valeurs de tolérance, des valeurs d'ouverture, et que des messages qui sont intolérables pour n'importe quel citoyen le sont encore plus sur les murs de l'université. C'est à ce double titre que je suis content de voir qu'aujourd'hui la communauté se mobilise, et se mobilise de manière solidaire. C'est très important pour nous. D'ailleurs, on voit qu'il y a du monde et que ça commence à venir. Il y a du monde, et je crois que... Mais il y avait déjà du monde, disons, sur les réseaux, il y avait déjà du monde qui s'est exprimé. Je crois qu'il faut aussi, après, une vigilance quotidienne. C'est bien de venir à la manif, c'est aussi bien d'être vigilant au quotidien dans l'ensemble de ses actions et dans l'ensemble de ses réactions à des petites choses. Il n'y a pas que les grands événements, il y a aussi le quotidien. Et moi, j'encourage chacun à être vigilant au quotidien. C'est là qu'on sera efficace.